Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct et en exclusivité ce matin sur Congo Live Télévision. Nous sommes 13h, dimanche 6 novembre 2022. Cet après-midi, en tout cas, nous recevons en direct chez nous monsieur Espoir Moïnouka. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes partout au monde, bonjour aussi à notre diaspora congolaise, vous qui soutenez toujours les pays. Nous vous disons bonne journée dominicale. Ambiance cet après-midi dans la rue de Goma, nous voyons la population, en tout cas, elle est en train de célébrer, mais on ne sait pas pourquoi. Plusieurs sources parlent que les habitants de Goma célèbrent, s'il faut le dire comme ça, après l'arrivée de plusieurs avions de chasse qu'on a vu atterrir aujourd'hui à Goma. C'est ça notre sujet, on va en parler en tout cas. Mais avant cela, c'est dans ce même angle d'ailleurs où on nous signale que l'aéroport international de Goma a été en tout cas momentanément fermé. Aucun décollage ni atterrissage pour des avions commerciaux l'avant-midi de ce dimanche. Plusieurs sources parlent de l'arrivée des avions de chasse, donc pas également d'accès aux journalistes, des civils qui étaient à l'intérieur étaient aussi interdits de prendre en tout cas des images et des photos. Espoir, des actualités, des bonnes nouvelles tombent ce matin, cet après-midi à Goma. Je vois aussi, vous êtes en train de sourire. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous voulez? Comment vous commentez cette actualité? Donc, quant à la fermeture de l'aéroport momentanément, c'est pour des questions de sécurité, il faut préciser. Avant d'arriver là-bas, ce qui est sûr, il est des droits de toute compagnie ou toute compagnie de voler à n'importe quand, en suivant ce que dit notre législation, mais quand il s'agit des questions d'intérêt national, on peut déroger à ton droit, monsieur le journaliste, puisqu'on a eu des appels de certaines personnes, oh, vous, mouvement citoyen, il faut. Bon, nous, on a dit non, et ce qui est sûr, c'est de votre droit, mais il y a la question d'intérêt national, et cette question d'intérêt national doit déroger à tes droits. C'est que ceux-là qui n'ont pas pu voler ou bien décoller les avant-midi, ils devraient comprendre et ils doivent comprendre que c'est l'intérêt de l'État qui est en jeu d'abord. Deuxièmement, on a vu toute la population commencer déjà à célébrer. Nous chantons directement la fin de l'état de guerre. La fin de la guerre, c'est que le début de la paix. Mais nous, nous disons d'abord à la population de garder cette joie que nous avons. Gardons nos mal en patience. Il y a un bon moment où nous allons sortir tous dans nos rues, où nous allons arriver même à retour à pied pour célébrer avec nos concitoyens qui sont sous l'emprise des terroristes d'M23. Espoir, vous personnellement, vous aviez été reçu par le ministre de la Défense ici à Goma, M. Kabanda. Il vous a promis que d'ici là, les avions de chasse vont arriver à Goma. Et c'est dimanche, aujourd'hui dimanche, nous sommes le dimanche 6 novembre 2022, pardon. Nous venons de voir des avions survoler la ville de Goma. D'ailleurs, dans des courtes séquences que nous allons balancer, proposer à ces personnes qui nous suivent, ils vont voir comment la population est en train de chanter. Parlez-nous, qu'est-ce que le ministre vous a dit, vous a promis concrètement? En fait, nous avions discuté sur beaucoup de points. Il y a d'autres que nous préférons garder confidentiellement. Mais ce qu'on doit mettre à la portée de tout le monde est que le ministre, on avait fait avec lui 1h35 minutes. Or, c'est un peu exceptionnel puisque
dans ces pays, trouver un ministre qui vous accorde de l'entretien d'une heure 35 minutes. Et d'ailleurs, lui-même donnait aussi 15 minutes, mais nous, on aille avec lui 1 heure 35 minutes. Vous, les militants ou vous, nous, les militants des différents mouvements citoyens. D'accord. On a discuté avec lui. Il nous avait promis, parmi les choses qu'il avait promis, nous voyons quelques réalisations. Il nous avait dit qu'il y a 6 avions qui ont été achetés, entre autres les hélicoptères de combat, les avions de chasse. Nous venons de voir quelques avions de chasse déjà à Goma. Survoler la ville de Goma. Survoler la ville de Goma. Et nous pensons que ces avions vont survoler même demain le territoire de Rutshuru. Et même les voisins, s'ils blaguent, on risque de survoler même leur espace aérien. À part ces avions de chasse qui sont déjà sur le terrain, ils nous avaient promis que comme le budget de la défense a été revu à la hausse, au moins aujourd'hui on peut compter à 1,2 milliard comme ça l'année. Ils nous avaient promis aussi l'amélioration des situations, bien conditions de vie de nos militaires, puisque c'est parmi les choses qu'on réclamait et nous a promis. C'est que on peut leur féliciter d'abord pour ce premier pas, puisque c'est depuis les années 70 qu'on n'avait plus vu les avions de chasse dans ces pays. Et aujourd'hui, il y en a encore, c'est que c'est quelque chose qui peut inspirer les gens et pousser les gens à espérer dans les jours à venir à tout Congolais d'évacuer librement à ces occupations dans la paix et dans la quiétude, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Tshisekedi a dit on ne va pas négocier avec les terroristes? Lui-même, lors de son message, en tout cas, il a dit que la voie diplomatique semble échouer et qu'on va passer maintenant à la frappe. On peut dire qu'on est maintenant à cette étape. Ce n'est pas Tshisekedi qui a dit qu'il ne va pas dialoguer avec les terroristes du M23. C'est nous, la population congolaise. Et lui, comme chef, il est venu derrière les vœux de la population congolaise. C'est un peu ça. C'est que nous, la population, nous sommes décidés et le chef était obligé de venir derrière ce que disent les 90 millions des citoyens congolais, monsieur le journaliste. Ce qui est sûr, nous, aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a montré, nous, la population congolaise. Nous avions dit non, faux, archi-faux au dialogue avec les M23. Et heureusement, le chef est venu derrière ça. Mais aussi, la voie diplomatique, c'est parmi aussi les chemins qu'on ne peut pas écarter, mais pas avec les M23, monsieur le journaliste. D'accord. Croyez-moi, je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité chez nous. Le président Tshisekedi, prononçant ces mots dans son discours le 7 novembre 2019 à Bukavu. D'ailleurs, demain, ça fera quelques années. Trois ans comme ça. Aujourd'hui, on peut dire que le président tend vers la concrétisation de sa promesse. Il a promis le retour de la paix. Aujourd'hui, nous tendons vers cette paix parce qu'on voit en tout cas les choses qui se voient sur le terrain. Changement de l'appareil sécuritaire, des avions de chasse, on voit Goma en ébullition aujourd'hui. Comment vous trouvez cela, monsieur Espoir? En fait, moi, je crois que je ne suis pas son porte-parole, mais je suis un citoyen, j'ai plein droit de donner mon point de vue. Lorsqu'il y a des avancées, nous devons les saluer, et lorsqu'il y a des reculs, nous devons les dénoncer. Ouais. Puisque nous, mouvement citoyen, nous sommes l'église au milieu du village, nous ne serons jamais en opposition contre les gouvernements, de même que nous ne serons jamais en contradiction avec l'opposition. Là où il y a les avancées, on les dit, et là où ça ne va pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Alors, quant à la question du retour de la paix, ce n'est pas un devoir de Tshisekedi seul, monsieur le journaliste. Oui. La paix, c'est un devoir de tout citoyen congolais. Vous, comme journaliste, quand vous donnez de bonnes informations aux citoyens congolais, et quand nous, comme mouvement citoyen, nous faisons notre travail comme il faut, tous nous contribuons pour la paix. Alors, moi, j'aimerais observer d'abord... Après l'observation, nous allons donner maintenant notre point de vue. S'il serait en train de concrétiser les promesses, parmi tant de promesses qu'il a déjà promis, ce que nous allons d'abord observer, s'il est vers le chemin de concrétiser tout ce qu'il a promis comme promesse. Puisque normalement, nous ici à l'Est, nous sommes nés dans la guerre. Depuis 1994, chez nous, il y a la guerre. Mais ce n'est pas à dire que dans 3 ans, 2 ans qu'on peut rétablir la paix. Non,
nous devons y aller petit à petit, mais aussi il faut essayer d'accélérer l'appareil sécuritaire pour voir si on peut parvenir à finir la paix. Puisque finir la paix ici chez nous, c'est la moindre des choses, monsieur le journaliste. C'est tout simplement comprendre que il faut identifier c'est tel qui est derrière ça, tel qui est derrière ça, tel qui est derrière ça. On les met derrière les barreaux et facilement on peut finir par trouver la paix, monsieur le journaliste. Alors, dans ce même angle, on a vu plusieurs jeunes, en tout cas ici à Goma. D'ailleurs, hier samedi, nous avons vu des jeunes qui se sont entraînés devant plusieurs militaires FARDC. Les jeunes qui viennent de décider de répondre à l'appel du chef de l'État. Il faut préciser en tout cas, au total, ils sont 3325 jeunes qui viennent de s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu. C'était hier samedi. Selon le colonel Ndakala Foster, directeur chargé des recrutements au sein de la 34e région militaire, a renseigné à la presse locale que parmi ces jeunes volontaires, il y a 2100 2100 sont de la partie nord de la province et au total 808 dans la ville de Goma. En tout cas, des jeunes se mobilisent. Parmi les 800 d'ailleurs, ici de Goma, on a vu 47 filles. Ça vous dit quoi, Espoir? Non, moi personnellement, je me réjouis puisque c'est maintenant au moins 4 à 3 mois que j'appelais les jeunes d'intégrer l'armée. Et aussi, j'appelais aussi la République, c'est que le chef de l'État va bien voir comment est-ce qu'on peut initier les jeunes à la bonne citoyenneté. Puisque le patriotisme, c'est quand on accepte de servir sous les drapeaux. C'est quand on accepte de donner les sacrifices suprêmes pour l'intérêt de la République. Et maintenant, ce qu'on peut appeler au chef de l'État, puisqu'il faut aussi tirer attention. Dans ces recrutements, on peut encore recruter comme on a toujours recruté, beaucoup d'infiltrations et autres. C'est que ce qui reste maintenant, c'est la vigilance. Mais on demande de ne pas arrêter avec le recrutement. Nous, puisque la ville de Goma, nous-mêmes, nous devons produire au moins 10 000 militaires. C'est ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Au moins 10 000 jeunes vont à Goma ou seulement? Non, c'est la province en général. Au moins 10 000 jeunes, nous allons intégrer l'armée. Et d'ailleurs, je profite devant cette grande caméra pour appeler mes concitoyens, chers jeunes, intégrer l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous demandons maintenant aussi aux autorités de bien revoir la logistique de nos FARDC comme les jeunes nous donnons. Ça reste maintenant le moment pour la République de bien outiller ces jeunes pour défendre l'intégrité du territoire national. Mais là, comment comprendre que la mobilisation soit visible et qu'au nord qui vont, on voit l'ouest, elle ne bouge pas. Il y a aucun bilan à côté ouest. On nous a communiqué qu'il y a des jeunes qui auraient répondu à l'appel du chef de l'État. Seulement les chiffres avancés par les autorités, ce chiffre vient du Nord Kivu. Non, en fait, vous savez, la politique régionale se joue dans les grands Kivu. Les gens de l'Ouest, on ne peut pas les condamner, mais il faut revoir surtout les Kinois, puisque ceux-là qui n'intègrent pas l'armée, ce sont ceux-là qui sont au niveau de capitale. Ceux-là que vous voyez aujourd'hui dans l'armée, la plupart sont venus du Kasaï, Kata, c'est qu'une partie de l'Est, une partie de l'Ouest. Notre capitale, les jeunes ne s'intéressent pas. C'est que le civisme, c'est encore au niveau de Kinshasa où on doit revoir le civisme. Et aussi, c'est pas à dire que c'est aujourd'hui qu'on va fermer les centres de recrutement. Peut-être que nous qui nous sommes enrôlés, nous de l'Est, dans l'armée, peut-être que nous allons donner l'exemple à nos concitoyens qui sont à l'Ouest, puisque la question de l'Est ne revient même pas aux citoyens de l'Est seulement. C'est pour tout citoyen congolais qui composait de bon sens, qui doit s'inquiéter de ce qui se passe à l'Est. C'est que nos concitoyens de l'Ouest intégrent aussi les forces armées, puisqu'on va chasser ces inciviques ici à l'Ouest. À l'Est, il y a risque que d'autres inciviques puissent surgir à l'Ouest. Et lorsque toute la République, lorsque la République en général va se révolter, vous allez voir qu'aucune partie du Congo va encore subir des atrocités. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien. En plus de Bunagana, les cités de Rutshuru qui ont déjà situé dans le territoire de Rutshuru au nord qui vous sont équipés depuis quelques temps par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Par certains observateurs, les forces armées congolaises ont été mises en déroute par ces terroristes. Des allégations
qui rejette l'armée congolaise. Au cours du briefing presse d'hier samedi, à Kinshasa, le porte-parole des FARDC a évoqué plutôt un repli tactique pour éviter des morts inutiles à Rutshuru et à Kiwanja. Ça, c'est selon le général Sylvain Ekenge. Il a dit, je cite, « L'armée se réorganise et elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Rutshuru et Kiwanja. » Et aujourd'hui, nous sommes là, a déclaré le général Ekenge. Comment vous suivez cette déclaration? Je crois que c'est tout à fait normal, mais aussi c'est verrouillé. C'est... Lorsqu'il dit que nous sommes là, ça dit beaucoup de choses. Moi, je peux profiter plutôt d'appeler mes compatriotes qui sont à Rutshuru, à Kiwanja, de se retirer dans ces milliers, en fait de laisser les champs vides, en fait que l'armée puisse faire un bon ratissage dans ces milliers. Et vous allez voir que des dés seront encore organisés au Rwanda. Comment c'est ça? Non, ça s'organise du jour au jour. Non, on n'attaque pas les Rwandais quand même. Non, nous n'attaquons pas les Rwandais, mais on se bat contre l'armée rwandaise, monsieur le journaliste. Oh. Et lorsqu'ils sont, ravagés, je vous dis, du jour au jour, il y a des punitions en punitions. Et nous, ce qu'on déplore, ce sont des jeunes qui meurent du jour au jour. La région des Grands Lacs risque de rester avec la jeunesse congolaise seulement et la jeunesse tanzanienne et kenyane. Mais les Rwandais risquent de manquer les jeunes dans 20 jours, dans 10 à 30 ans. Pourquoi? Oui, puisqu'ils sont en train d'envoyer les jeunes pour aller envahir d'autres régions, monsieur le journaliste. Et nous, c'est quelque chose que nous déplorons. Puisque ceux-là qui envoient ces jeunes au front d'une manière illégale, ils sont des vieux et qui vont partir demain. Moi, je peux demander à mes compatriotes, à mes frères africains, notamment la jeunesse rwandaise, de tout faire pour ne plus tomber dans le piège de M. Kagame. Kagame va vous exterminer inutilement. C'est un vieux, d'ailleurs, c'est maladif. Demain, il peut partir et on va laisser les Rwandais sans jeunesse. Nous, comme jeunes Congolais, c'est un conseil qu'on peut donner aux Rwandais. Et c'est un conseil à prendre ou à laisser. L'armée congolaise et la police nationale congolaise, ils sont en train de se moderniser du jour au lendemain. Car nous allons avoir, je ne le dis pas, puisque c'est un devoir. C'est un devoir de l'organiser. Il faut préciser que ce sont des avions de chasse qui passent, qu'on est en train d'attendre. On est à Goma, ça passe déjà. Alors, à Goma, c'est une panique totale. On voit les avions de chasse envoyés par les commandants. Ce n'est pas une panique, c'est une joie immense que manifestent certains jeunes Congolais, et la population, tous ceux-là qui aiment voir la paix chez nous. Maintenant, ça reste à la modernisation totale de l'armée et de la police nationale congolaise. Mais aussi, c'est un message, je profite de votre caméra pour envoyer un message à nos généraux. On a vu Chico, si c'est Chico, il était à Goma. Ouais, il est parti à Kibumba. Oui, il était à Goma. S'il est encore ici, je ne sais pas. Mais nous l'avions vu, on n'a pas eu la chance de beaucoup discuter. On s'est toujours salué seulement. Mais nous leur disons de ne pas reculer devant des manipulations politicienne. Nous voulons que du sérieux soit dans la police et dans l'armée. Nous avons de la police, surtout chez nous à Goma, nous avons un général très patriote, quoi. Vous voulez parler de quel général? Nous avons plusieurs généraux ici. Il a un sang d'un patriote. Un combattant. C'est qui? Le général là-bas, Van Anke. Donc, le commissaire divisionnaire De la police. De la police Nord-Kivu. Ouais, c'est quelqu'un qui a motivé la jeunesse à la résistance. Et c'est quelqu'un, je crois, si nos autorités qui se réfugient à Kinshasa, parce que j'ai dit quelquefois que certaines autorités se réfugient à Kinshasa, c'est là que se réfugient à Kinshasa, je crois, ils devraient reconnaître le mérite de ses papas, ce qu'ils donnent. Et nous demandons maintenant aux jeunes généraux qui ont été récemment nommés de ne pas suivre quelconque... Aux jeunes généraux ou aux vieux généraux? Non, ils sont des jeunes. Chico, c'est un jeune. Ah, d'accord. Les de nos générations. Même Christian Tchiwewe, c'est les de notre génération. C'est que nous, on les demande de montrer leurs griffes de tigre, de montrer leurs griffes de lion. Puisque... Mais les gens qui sont à Sarambu, ce sont des lions. Non, à Sarambu, il n'y a que des aventuriers, des garçons de course manipulés.
de par Kigali. Non, nous, on ne peut plus les taxer de Lyon. Et ils n'ont jamais été de Lyon. Ce ne sont que des petits chiens qui ne cherchent que les eaux, là où les eaux étaient bon, jetées. C'est vous qui l'avez dit, allez, on finit ça. Nous, j'assume mes mots et je ne les donne que dans moins de 15 jours, vous allez me dire si ils sont encore là. Les lions qu'ils de Saramouin. Puissent, non, pas des lions, des chiens de Saramouin. Ils disent, qu'ils profitent. Non, ce sont des racontards, d'après le gouverneur légitime, Carlin Zanzou, qui l'a dit, qu'il y a des racontards qui reviennent aussi vite au pouvoir. Alors, il est sous verrou. Hein. Non, il n'est pas sous verrou. Bientôt, là, on va lever cette histoire d'état de siège. Ah, d'accord, s'il vous plaît, finissons notre entretien par cette actuelle, s'il vous plaît. Les chefs de la diplomatie de la RDC et du Rwanda se sont en tout cas engagés hier samedi lors d'une rencontre à Luanda. Accélérer le processus vers une escalade des hostilités dans l'est du Congo. Donc là, ici, l'information, on a vu le ministre des Affaires étrangères et du Rwanda et celui de la RDC, M. Lutundula, et Vincent Biruta du Rwanda, aux côtés en tout cas de João Lorenzo. Ils ont discuté en tout cas diplomatie. Hein. Donc la question sécuritaire dans la région est au Caire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces échanges? Pour le développement de l'Afrique en général, il faut que la RDC soit développée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit aujourd'hui, mais ça a été dit par beaucoup d'écrivains que je ne vais même pas citer leur nom, et beaucoup de chercheurs. Sans la RDC, l'Afrique ne se développera pas. Dans la région des Grands Lacs en général maintenant, pour parler de la sécurité, il faut parler de la RDC. Nous, les Congolais, c'est notre habitude, nous sommes hospitaliers. Et on ne peut pas refuser de saluer quelqu'un puisque nous connaissons qui nous attaque. Non. Vous avez suivi le discours du ministre des Affaires étrangères, de notre ministre. Il a été très sincère. Nous, les dialogues, nous sommes partants. La diplomatie, nous sommes partants. Pour la guerre, nous sommes partants. C'est Merci. Que nous sommes prêts Merci à tout, beaucoup. Monsieur le journaliste. Nous disons, advienne que pourra. Bunagana, Rutshuru sera récupéré. Merci. Et nos concitoyens de Bunagana et de Rutshuru, ils vont vaquer librement dans rien des jours. Merci beaucoup. Dimanche 6 novembre 2022. Espoir, merci d'avoir été là ce matin en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévision. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Espoir, on se quitte par votre numéro de téléphone. Nous disons à nos compatriotes, ceux-là qui ont des points de vue, à nous donner des conseils, des orientations, voire autre chose. Nous sommes sur le plus 243 990 66 42 08. Merci. Peut-être les lions de Sarambwe vont vous contacter. Hein? Non, les lions de Sarambwe. À Sarambwe, il n'y a jamais eu de lions. Merci, merci. Il n'y a jamais eu de lions. À Sarambwe, il n'y a que quelques chanvriers. Merci, s'il vous quelques plaît. Quelques inciviques. Merci, mesdames et messieurs. Qui ont perdu merci, leur on sens. Fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. On vous dit au bye-bye.